diable. Lui aussi, ça me rend étonné qu'il n'y soit pas, il y soit tout le temps. Il est dehors, alors. Avec l'orange, deux verres de rouge, un peu de couscous, il avance. Hein. Il a un pote maintenant, il veut gagner pour son copain. Il veut gagner pour son pote Gérard. Le casseur. L'homme de la buvette. Et il est devant le catcheur de Beauvais. Ah, ils vont bien, il va bien le Cardan. Delmont. Le François. En plus devant le François qui est pas un mec qui traîne. Mademoiselle Guélo, Nathalie. Et le cascadeur, Guillaume Caron. Guillaume Caron qui est cascadeur, Marie. Tête à queue. Vite, il faut qu'il reparte. Oh, Delmont, impérial, hein. Il roule vachement mieux que Alain Eux. Hein. C'est pour les exciter un peu. Le François, Vaillant. Ah, soupape, pardon. Qui vient nous voir comme à chaque rallycross. Delmont. Ah, Delmont, c'est le tour joker qui peut le faire gagner, parce que derrière le François revient très vite. À quel moment il va le prendre? Car on l'a pris le tour joker. Ils sont tous les deux là-haut. Il n'y en a pas un qui a pris le tour joker encore. Et nous sommes dans le troisième tour. Ils vont le prendre tous les deux. Ah, il revient. Il revient, Steven de François. Dans un dernier tour. Le tour joker. Mais ils prennent tous les deux ensemble, il a du bol. Il n'aurait pas gagné sinon. Mais c'est le jeu et bah, il va être content, Gérard. GGG à la buvette. Et belle victoire de Laurent Delmont. Qui gagne dans l'équipe 5 en compétition. Il est où alors? Il est pas là-bas alors? Ouais, Alain, va bien ton pilote, hein. Vachement mieux que son petit manager. Hein. J'aime bien, il est excité de bonheur. Là, non là-bas, les mains dans les poches. Ouais, il explique à tout le monde comment il faut faire. Et Laurent Delmont a suivi les conseils d'Alain Eux et il a gagné. Bravo. Ah puis la petite sauce bien piquante d'hier soir, ça a fait quelque chose. Par de la 306, Sébastien. L'homme qui a remporté sa première victoire sur le circuit de l'essai. L'abandon ne repart pas non plus et Sébastien Le Ferrand emmène tout le monde. Et là, dans la vie, il va s'en aller. Et à part la 207 derrière de Francis Marie, la belle 207 du 6 MTA.
306 du pilote qui joue la deuxième place du classement général de la division 4. Marie-Xavier Le Hir, troisième. Quatrième, Lionel Mercier. Et cinquième, Joanne. Thank you.
main, mais passe à gauche, Jean-Luc. Il essaye l'intox, mais il a pris le tour. Je regarde, David Henry le regarde dans ses rétros. Et Jean-Luc est derrière lui, mais il ne sait pas comment faire, alors que pendant ce temps, Denis Rose, lui, prend le tour joker et sort devant, il aura gagné. Voilà, Denis Rose, l'homme aux couleurs du bar du midi, aux couleurs du restaurant L'Escale, fait manger, lui, et aux couleurs de Delferme. Aux couleurs de Delferme, il met... Pour le... Ah, les Turelles, là, il ne sait pas, il veut... Je crois qu'il est sympa. Il ne touche pas la voiture, mais... Il va rester quand il va arriver. Jean-Luc Durel, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le beau-frère de David Vincent, mais bon, ils ne peuvent pas se voir, il va y avoir des affaires de famille, parce qu'il n'est jamais sous la tente de l'équipe des Landes. C'est bizarre. Il est tout seul dans sa petite caravane derrière. Ah, ben, ils ont deux caractères forts. J'aime bien foutre le soude dans la famille, moi. Des Landes, des Landes, des Landes. Et ouais, Rousse fait 4 secondes devant les crosses avec un beau départ. Oh là, et tout le monde est placé. Et il a raison, il fallait y aller comme ça. Bah attends, sinon il allait rentrer dans les autres. Comment tu fais? Tu vas tout droit. Au lieu de casser 4 voitures, on va aller tout droit. Et pendant ce temps, Steven Bossard est parti sur la voiture de Rudolf Schaeffer. Alors que derrière, l'Audi A3, celle de Jimmy Tertoro qui essaye de passer alors qu'il prend le tour joker. Lui qui sort de 2 victoires. Oh, il s'arrête Bossard et il laisse Nicolas Bezard prendre la tête. La Honda de Bezard. Vous pouvez me remercier, hein. Vous avez dit qu'il ferait bon, regardez le soleil qui arrive. Ça n'a peut-être pas duré longtemps, mais nous avons le soleil. Alors tout le monde croit qu'ici il tombe des cordes, vu qu'à la télé ils ont dit que c'était le mauvais endroit, c'était en orange, il devrait pleuvoir autant qu'une année. Enfin, tu me diras comment on voit l'état de l'herbe ici, il doit pleuvoir souvent, car c'est bien vert, ça. On sent qu'on est en Normandie. Et devant, tranquille, Nicolas Bezard, et le circuit des Ducs se réveille sous le soleil. Yvan Benoît, la belle 306, deuxième. Lundi de Jimmy Tertoro, et la Honda, celle de Bertrand Girardot. Ouais, ben... De Beauvais sont là-bas, j'aperçois même Adeline Sarnier. Ils sont tous réunis là. Le choix des deux. Ouais, la piste est glissante. Ah oui, ils ont récupéré juste la petite pellicule de la boue. Ça fait un petit peu comme de la glace. Bezard. Ouais, joli le duel. Ah, ils poussent tous les deux. Et Benoît ressort deuxième. Perforant. Ça va être beau le duel entre l'Audi A3. Regardez bien le duel entre l'Audi A3 et la 306. Maxi, celle d'Ivan Benoît et l'Audi de Jimmy Tertoro. Ah, Jimmy Tertoro qui a perdu 10 mètres là-bas, bon freinage. En retour, la Honda, tous les deux. Allez, il essaye de lui reprendre des mètres à l'intérieur. Benoît, toujours en deuxième position, troisième position, retour au freinage de Jimmy Tertoro. Et voilà tous les deux devant nous. Tertoro est mieux sur le goudron, la 306 est mieux sur la terre. Ouais, il n'y arrive pas, il faillit le. Et dans la ligne droite, à nouveau l'Audi A3, à la poursuite de la 306. La 306 au freinage, elle le ralentit, donc il a raison, le surveille dans ses rétros, donc du coup Tertoro est coincé, un petit coup dans le pare-choc de Vuchula, et là il passe à l'intérieur, et il sort, devant lui.
marquer la deuxième place en freinage. Bezard, le plus rapide, juste devant Laurent Delmotte. Troisième, le François Cassis. Et parti devant. Steven Bossard, Laurent Delmotte. Les deux Laurent Delmotte. Mais oui, il faut qu'ils suivent Bossard. Ça va être dur, mais. Téléphone en direct, tout à Radio Mauvais. Allez, Steven Bossard, Laurent Delmotte. Steven Le François, qui sort troisième, Nathalie Gueno et Sébastien Jamias. Yeah.
Allez, passez, oui, passez, merci. Hein. Dans la compression. Devant Mercier, devant Caron, maintenant c'est la balade de santé pour la 207. Les teams MDA. Il est parti du loin, ouais, on enroule les tours comme on enroule les spaghettis sur une fourchette. Pour ceux qui ont mangé les spaghettis. Côte-côte.
a plus, hein. Ça a en Bretagne. Lui qui rêve chaque fois qu'on va là-bas du côté des vignes de Territoire de Rouillard, de Mandurel, en route, Passe et la Pont. Ah oui, il y a des mécanos qui s'en vont des cimes et ouais, qui arrêtent. Et malheureusement, là maintenant, la 306 d'Yvan Benoué ne reviendra pas sur les hommes de tête. Ce qu'il va faire, hein, et qu'il va arranger notre pilote, bien entendu. Allez, devant, Bezard. Lui qui aura failli gagner, enfin qui était prêt à gagner deux courses, mais que malheureusement il n'a pas gagné. Bezard. Entre les deux. Allez, la Honda. Et on fait belle saison aussi, hein. Nicolas Bezard. Voilà, Bertrand Girardot qui prend le tour joker. Bezard, la Honda, Cagliosi. Le podium derrière le tracteur. Bonne idée du championnat, le petit podium amené derrière le tracteur. Hormis les belles victoires des pilotes sur le circuit, voilà, tour joker pour Sébastien Guillemot. Guillemot qui va sortir deuxième, donc aucun problème. Bezard, ça va se jouer entre tous les deux. Guillemot, Bezard, il reste de tour. Sébastien Guillemot, le pilote qui a court. Et Nicolas Bezard, Guillemot. Et il prend le tour joker ou pas, Nicolas? Oui, il prend le tour joker. Ah, il devrait sortir devant. Il devrait, hein. Oui, il sort devant. Il n'y a pas beaucoup, mais il sort devant. Ça tient à pas grand-chose, à moins de demi-seconde. Le dernier tour, Bertrand Girardot, ouais, pas mal. Ah oui, David. Champion de France 2012, à savoir David Masson. Et voilà, Emmanuel a des problèmes, et il est devant. Allez, et maintenant, on va pas.
pouvoir suivre le rythme que va imposer, comment on appelle les gens de Montbrillac. Ah bon, oui, à ça. Les deux personnes qui sont debout sur le muret au niveau de la ligne de départ sont priées de descendre, s'il vous plaît. Oui, et David Vincent, il n'est pas obligé, lui, d'attaquer comme un malade. Il s'en fout, il est sûr de la bonne position de la finale. Mais pour régler l'auto, pour regarder les amortisseurs Texan, merci, pour regarder si la boîte 3-0 et compagnie, donc il le fait. Oh non! Il a ouvert le train avant! Ah, Jimmy Tertoro, ça va arranger au classement général. Ça, Jimmy Tertoro, il était classé à l'issue des deux manches. Eh bien, 7e, et là, voilà. Tout à l'heure. Non, non, il s'amuse, il a la pole, il a la pole, il regarde David Vincent, il regarde l'homme qui joue la deuxième place du championnat. Mais il y en a qui sont venus me les ranger différemment. Division 4, Jimmy Tertoro qui occupe la deuxième place du classement de la... Je le surveille. C'est bien là, Y. Le dernier tour, Sébastien Leferrand avec l'enfant de la poursuite de Jimmy Tertoro, qui est deuxième du classement général avec 137 points, 5 points avec départ, il suffit de décompter aussi. Et Sébastien Leferrand a un avantage sur Jimmy Tertoro, c'est qu'il ne décompte pas. Et donc il fera le plein de points et la deuxième et troisième place, et quatrième, ouais, deuxième et troisième place. Et du classement général de la division 4 se joue aussi ce week-end. Et la victoire allait pour Sébastien Leferrand devant David Vincent, Guillaume Basson, qui fait une belle troisième place. Et cela nous donne au classement général le meilleur temps possible. Qui va abandonner la 205. Il est en tête, les deux premiers sont qualifiés. On joue maintenant au temps, à la place, et non plus au temps. Eh oui, c'est à la place que se font maintenant les classements pour aller sur la dernière ligne de la finale C. C'est la finale D, avec Mercier devant, Le Hir deuxième, Fosse, Caron, Jamais, Mademoiselle Guéno et Joana. Seuls les deux premiers qualifiés. Sans oublier, bien entendu, de prendre le tour Jean-Pierre. Merci toujours devant. La petite 205. Il aura fait une belle saison. Je l'ai dit tout au long de l'année, c'est vrai. Mais merci. Aura fait une belle saison. Il occupe la 26e place du classement général. Il devrait remonter dans le classement général avec cette course de l'été. Il est remonté parmi les 20 premiers. Le Hir
Georges Lecaire pour le HIR. Ils sont tranquilles maintenant tous les deux. Guillaume Caron, troisième. Quatrième, Sébastien Jamais. Cinquième, Grégory Foss. Hey, il a essayé la 205. Girardot
attention, il y en a 207 qui gênent Durez derrière Girardot et Rose en tête. David Henry, la C4, Lionel Mercier déchaîné, Lafont, Le Hire, Durez qui fait les contre le pare-choc. Et là-bas, David Henry, non, la Mercier ne passe pas. Mercier, la 205. Ouais, Durel, il passe. Joli, Durel. Jean-Luc Durel l'a eu au freinage. Devant Rousse, Durel deuxième. Elle est bien sortie là. À l'allure où elle est partie, la voiture et la roue. Ah, il l'a rattrapé. Ah ouais, il y a Jean-Luc Durel, il a eu chaud là. On peut l'applaudir, le vainqueur de Salerat. Qualification de Rousse. Deuxième Girardot. Troisième. Henri, quatrième, Mercier, cinquième Dupont, sixième Le Hire. Allez, on prend vite le plateau. Et on prend dans le Durel. Durel, c'est parti sur le toit, là, on sort pas mal. Elle est passée où, la roue? Pas que ça, là, c'est pas l'effet. Allez, la dépanneuse. Le Ferrand. Le
fait pour revenir deuxième. Lui qui jouait le titre il y a 15 jours et qui, une boîte de vitesse cassée, eh bien, lui a fait perdre le titre. Incroyable, mais vrai. Hein. Et devant, Loni de Jimmy Terperon, l'actuel second de cette Coupe de France de Division 4. Devant Sébastien Leferrand, Guillaume Brouillard, Yvan Benoît, Rose, il s'est envolé en prenant la route là-bas. Et le dernier tour, et le deuxième, et le troisième de la Coupe de France de Rallycross de Division 4 se retrouveront sur la dernière ligne pour la dernière épreuve pour jouer justement la place de second ou de troisième. Et victoire pour Jimmy Terperon devant Sébastien Leferrand, Rouillard, Bedoué, Delmas, Le François, Chimardo et Rose. Le départ de qui ? De Steven Bossard, du champion de France 2002, David Vincent. Bossard, ça va pas faire ! Oh, la troisième place, il est allé la chercher, Nicolas Bossard, la hauteur. Retour derrière de Jimmy Terperon avec Lodi, qui est maintenant quatrième. Le départ de Restellini, Sébastien Leferrand, qui eh bien, va voir sa deuxième place du classement général changer. Et devant, c'est le duel entre Steven Bossard et David Vincent. Troisième Bossard, quatrième Terperon, cinquième Yves, sixième Anne Vincent, qui se récupère, je ne sais comment, et que la naissance va s'en faire. Pour Sébastien Leferrand. Sébastien Leferrand. Et devant toujours le champion de France 2010-2012. Devant le champion de France Super 700, Steven Bossard. Et il peut. Et il pleut, il va falloir jouer avec la pluie. Et les pilotes sont un peu de sec. Et les pilotes sont un peu de sec, il faudra aller jusqu'au bout sans faire d'erreur. Ça ne change rien. Donc ça ne change rien au classement général. Nicolas Dosard qui prend le tour joker. Il ressort juste derrière Elodie de Jimmy Terperon, Sébastien Guillemot avec la 306, Emmanuel Anne, Vincent, Le Ferrand. Alors, dès qu'il pleut, dès que les pilotes prennent le tour joker, c'est devenu pire que la glace. Oh, il se loupe! Et il s'est loupé! Il s'est loupé, il voit passer tout le monde! Là-bas, Steven Bossard! Et l'eau! Eh oui, la piste est devenue glissante! David Vincent a pris le tour joker! Terperon! Bossard! Le tour joker, il est deuxième, oui. Problème pour Steven Bossard. Et toujours devant, le nouveau champion de France, le nouveau vainqueur de la Coupe de France de Rallycross, le pilote Thiago, David Vincent, Jimmy Terperon.
faisait 40 mètres qu'ils étaient ensemble, Guillemot et Nicolas. Sébastien Guillemot qui...